faire, c'est sûr. Les femmes de l'ailleurs critiquent. Je vous dis bonsoir. Encore une fois, l'énergie solaire est venue vous visiter. Encore une fois, nous disons merci. Un mois de plus, le dernier mois de 2024. Il faut suivre du tac au tac ce que le frère Benoît vous explique pour le mois de décembre. N'oubliez pas, l'émission, cette émission-là de moment spirituel, nous sommes plusieurs à se mettre en forme dans le frère Benoît, à s'évertuer, pour vous éduquer sur vos forces ancestrales. N'oublie pas, le triangle de la vie, c'est se connaître, s'accepter et s'imposer. On est au mois de décembre. On se prépare. On se prépare pour tout. On se prépare pour accueillir chez nous un enfant qui est né, un sauveur. Mais chacun de nous a une préparation interne à faire pour se renouveler, pour renouveler nos relations familiales, pour renouveler vos relations avec les humains. Se renouveler, soyez plus humain. L'entrée en vous. N'oubliez pas, tradition ancestrale, les chrétiens, la naissance de Jésus, ou de la fête du soleil. Mais quelle que soit votre croyance, un renouvellement, se faire des sacrifices, c'est un moment de payer. C'est vraiment le moment d'action de grâce, ceux qui seront en famille pour la veillée de nuit. Ceux qui vont se baigner, ceux qui vont dans leur habitation, pour prendre leur bain de fin d'année. Il y en a qui parlent de garde, il y en a qui parlent de protection, mais tous, notre ultimatum, le centre commun, c'est de se retrouver encore davantage. Le centre commun, c'est de puiser en vous-même les forces intérieures, les forces vivantes. C'est aller dans votre source. Allez, vous reconnecter avec vos ancêtres. Allez, frère, notre cher frère Benoît va vous expliquer ce que faisaient vos ancêtres. Demandez à vos parents, qu'est-ce qu'on faisait le mois de décembre? Qu'est-ce qu'on faisait le 24 décembre? Et pourquoi? Bonne fête à la paroisse dont j'appartiens. Au Qu'est-ce qu'on fait? Bonne fête de Saint-Nicolas. Aujourd'hui, la fête de Saint-Nicolas, vous savez, Saint-Nicolas, on dit c'est Santa... Santa Clara, qu'on représente dans les pays étrangers, comme un saint qui apporte, comme le Père Noël, qui apporte des cadeaux. Dans notre tradition ancestrale, Saint-Nicolas, c'est le père des enfants, le père des Marasta. Il a su sauver des enfants, il a su unir des familles, il a su trouver pour des femmes sans mari, leur trouver un mari pour vraiment élever leur enfant. Donc, soyez un Saint-Nicolas, bonne fête de Saint-Nicolas. Nous continuons notre démarche de l'avant. Nous continuons notre course pour arriver à la Noël, pour arriver au grand jour, pour arriver à l'éclatement. Prenez votre temps pour comprendre ce qui se passe autour de vous,
Prenez votre temps pour comprendre ce que faisaient vos parents. Prenez du temps. Donnez-vous du temps pour mieux vous découvrir, pour vous renforcer, pour vous renouveler, pour vous fortifier. Merci. Et je vous laisse avec notre cher frère et mon collaborateur proche pour faire de moi. Mes chers amis, m'ap souhaite nou la bienvenue nan ti kozri sa n'ap fè jodi a, kote ke n'ap ba nou ti aperçu sou ki jan pou nou prepare nou pou nou celebre fèt Noël la, nan yon fason ki kapab ede nou, ede zansèt nou yo, e ede vi nou pou nou ka genye ou meyòr vi ou meyòr anè 2021. Kom nou konè, anè sa se ton anè ki te gen pil tumult, te gen pil ho e ba, en pile monde t'est engagé dans série de activités à cause de ça qui a passé dans l'environnement qui était la cause en pile stress. Alors pour année 2021 qui va rentrer, m'a ba nous ti aperçu sous qui gens pour nous préparer nous pour nous capable gagner une meilleure année 2021. Et préparation ça c'est tout le long du mois de décembre nan, que li fait et li culminé l'an nuit 24 décembre nan, côté que gon série de pratiques que n'a ba nou pour nous faire nous connait qui gens pour nous capable préparer nous pour nous gagner une meilleure année qui va venir. Dans me rappeler nous tout que causerie ça yo c'est elle écuménique de congrégation Sœur Rédemptrice de Nazareth là qui porte le banon et congrégation ça présidée par la sœur Donna Bélizer et causerie ça a tout fait en association avec l'église Rosicrucienne Apostolique qui est représentée par moi-même le frère Benoît. Nous banon ti causerie initiative ça yo parce que nous jugeons que l'innécessaire pour nous connaissons tradition, nous connaissons source, nous connaissons racine, nous, pour nous mettre en pratique, pour nous capables de gagner une meilleure vie personnelle, une meilleure vie familiale, une meilleure vie communautaire et éventuellement une meilleure vie nationale. Comme nous connaissons, mes chers amis, tout ça que nous faisons, qui pour utile nous l'envie, nous, faut nous préparer nous pour nous. Si ou ap viv au jour le jour, ou ap viv brip sou kou, kote ke se le evenman vin devan kou ap reage a evenman, se pa un moyen ki efikas pou jere vi ou. Li toujou bon pou prepare ou kon sa ke kelke swa eventualite ki vin devan lan, ou prepare pou li. E se sa k fe nap pale nou jodi a, de ki jan pou nou prepare nou pou Noël kap vini an, paske fête Noël là, c'est un événement spirituel lié que si nous comprenons qui pour utiliser, nous capables de servir avec énergie que surtout 8, 24 à 25 décembre dans Potéa, pour servir à bon escient. Comme nous connaissons, chers amis, soleil là, ça, la tradition culture haïtienne noire, nous baillons Saint-Nicolas, soleil de justice, bien qu'il y ait les lits attisolés. Et même Jean tout revers qui serait les soleils de minuit qui aurait les atti danger gagne un rôle important et soleil là au point de vue cosmique censé prendre naissance l'année la nuit qui puis sombre qui nuit solstice d'hiver là qui célébré surtout du 24 au 25 décembre et m'a fait nous connaître que si nous allier nous avec élan force spirituel yo l'œil yo pi fo yo quand kou la nuit 24 à 25 décembre nan pour solstice d'hiver là même gens tout pour solstice d'été a qui dans la nuit du 24 juin 24 au 25 juin le nou alié nou à force spirituel ça l'œil yo pi fo nous capable servir avec yo nous fait moins effort pour nous servir avec yo pour nous capable porter yo aller mieux pour nous dans vie personnelle nous et dans vie familiale nou. Et le nou alié nous le force sa yo en plein vigueur comme ça nous ka fait plus bagay avec moins d'efforts l'an contrairement avec tout l'autre moment côté si nous fait li n'a pas obligé mettre en pile énergie en pile force dehors mais l'an deux nuits sa yo nuit solstice d'été avec nuit solstice d'hiver là
avec force sur cap entrer avec fracas à avantria, nous devons servir avec lui comme si nous t'as dit nous c'est un marée qui a venu nous rentrer dans marée et puis nous quitter force marée à porter nous juste diriger de façon que nous voulons. Comme on dit nous dans sortie ZTA qui est nuit de la Saint-Jean d'été côté nous célébrer Saint-Jean-Baptiste, c'est le ça terre puis éloigné soleil là, bien que nous croyons que son va paradoxal parce que c'est censé entrer été là. Côté nous t'a dit comme ça que c'est le satéa ta pi près soleil là parce que c'est saison chaleur là, mais non, c'est le satéa pi éloigné. Mais à cause de éloignement ça, nous même qui vivons dans l'hémisphère nord là ou bien ça qui pi près équateur là, nous voyons que rayon solaire yo et rayon spirituel yo frappe terre à des angles droits par rapport à axe dans l'hémisphère nord là. On pas venir rentrer là dans trop de détails parce que ça cap peut-être rend un peu monde confus sur si nous pas bail des explications détaillées, mais c'est pas but nous là pour nous bail explication détaillée ça yo. Parce que bail explication détaillée ça yo mandé pour nous entrer dans une série de ça les prérequisites, ça veut dire des bagages pour nous qu'on en vend pour nous capable comprendre le contexte là, pour nous capable comprendre l'encadrement, pour nous comprendre matière là bien. Et c'est pas ça n'a fait là, ça n'a fait là, c'est juste bas où clé important yo pour capable servir avec yo ou façon qui t'a aidé. Et là comme on te dit nous en sortie d'été là, c'est de sa terre censé pile loin soleil là, mais rayon solaire yo, rayon spirituel yo frappe terre à des angles droits et c'est ça qui fait nous sentir chaleur là avec intensité que nous sentir là. Maintenant tout dans solstice d'hiver là, c'est le ça, c'est revers. Terre censé après soleil là et rayon solaire yo tomber perpendiculairement à surface terre pour nous même capable dans le mystère nord là. Et ça va nous en pire influence spirituelle. Et comme en pile nous déjà connaît, chers amis, rayon spirituel, c'est réellement là que tout travail fait qui pourra manifester dans la vie matérielle. Quel que soit ça qui manifeste dans la vie matérielle, dans la vie de tous les jours, dans l'environnement, prend naissance dans le domaine spirituel là d'abord. Le livre nous voit nous. La vie matérielle, non, c'est le ça manifester. Mais naissance li, et là, c'est le domaine spirituel là que li prend naissance. Et force spirituelle ça yo atteint pire haut degré yo la nuit 24 à 25 décembre nan. Et c'est là et c'est ça qui fait yorele une sainte nuit, une nuit qui sainte parce que c'est le ça toute énergie au sens est gonflé et y a vin sous terre et encore moun ki konn ki jan pou capter pou diriger la façon que yo vle a capable faire très bon usage de force sa yo pour des bonnes manifestations dans vie yo k'ap vini surtout pour année prochaine k'ap vini. Alors pour nous préparer nous pour sa yo les nuits saintes ça du 24 à 25 décembre nan, li important pour adhérent de tradition ancestrale là pour connaître et pour comprendre conditions qui particulièrement favorables qui existent dans nuit ça pour être capable de servir avec lui. Préparation en fait mes chers amis à travers une série de prières, une série de sacrifices, une série de dispositions pour être capable de mieux capter l'énergie qui va venir. Et la tradition nous, surtout la culture haïtienne, c'est le ça, comme on a dit dans le dernier petit palais, dans le dernier petit cause nous fait, que c'est le temps ça, le temps makaya, c'est le ça, nous cueillir feuilles pour nous servir avec eux, pour nous préparer, pour nous servir avec eux la nuit sainte. Mais il faut me faire nous connaître que ça, les cueillir feuilles là, c'est pour un bagage qui fait n'importe gens. Gon façon pour cueillir une feuille pour aller servir avec lui. Parce que pas oublier que état d'esprit que la donne le prend feuille là, énergie état d'esprit ça transférer là dans feuille là. C'est ça que fait le nous pas le fait cueillir là,
li bon pour nous mettre tête nous dans un état d'esprit qui réceptif, qui harmonieux, et faut nous l'on sens rentrer en harmonie avec feuille nous pour accueillir, pour le capable non seulement kembe mais disposer ba nous toute propriété que nous allons servir avec lui. Et son une bon méthode bien spécifique pour faire lui que nous apprenons dans la communauté ancestrale là, mais seulement m'a dit nous là c'est que état d'esprit que nous a donné assurez-nous que son état d'esprit qui harmonieux, parce que le nous cueillir feuille là nous voulons que l'énergie qu'elle a donnée, l'encueillette là, soit une énergie qui est positive, qui pouvait nous rendre, ça nous va le faire avec feuille là, positif pour nous. Et c'est ça qui est très différent que si nous allons acheter feuille. Parce que ce n'est pas nous tous qui avons l'opportunité d'aller là, voir à côté nous connaît que feuille là existait, que plante là existait, pour nous aller, pour nous le cueillir. Oui, en Haïti, c'est peut-être un peu plus facile si nous voulons. Et si tout est de côté nous, si nous prenons côté pour nous aller, côté faire la donnée, nous prenons côté pour nous aller pour nous prendre, c'est très bien. Mais en pile là, nous, surtout nous-mêmes qui vivons dans les grandes villes, nous pas gagné opportunité ça. La plupart du temps, c'est acheter, nous obliger acheter feuille. Mais nous pas connaît tout, monde qui t'a cueilli feuille là pour venir vendre nous en lit, ou bien monde qui a cueilli feuille là, qui vend ni bah on l'autre, on cale revend, cale revend. Encore nous pas connait qui qualité énergie qui rentre dans feuille ça. C'est ça que fait le nous même nous acheter, gagne des façons rituelles pour nous acheter li et gagne des façons pour nous purifier feuille là tout pour nous écarter toute énergie étrangère positive ou négative qui t'est rentrer dans feuille là pour nous capable balier énergie pas nous pour propriété feuille là gagner servir nous d'une façon positive. Bon façon pour fait ça en façon rituel à travers des prières et une série de rituels pour ça les sacraliser feuille là non seulement pour écarter mauvaise énergie mais pour mettre énergie positive par où et pour faire li pour réveiller propriété non seulement chimique mais spirituel que feuille gè la dan. Alors nous on parle de feuille bien sûr, on parle de non seulement feuille en eux-mêmes mais zèbio, racinio, toute qualité propriété qui vient avec plante. Et là nous fin fait ça, nous fin sacraliser feuille ou bien plante ou bien racine avec ça n'a servi avec nous dépend de ça nous va le faire. Gagner une façon pour nous préparer. Différents côtés dans pays en Haïti gagner différentes façons. Différents lacou par exemple, gagner différentes façons de préparer. Différents familles gagner différentes façons. Ça ou même l'état bon pour connaître que l'enfant mi parle l'enlié parle là qui genre qui meilleure façon de préparer feuille. Est-ce que c'est à travers frottage côté frotter feuille? Est-ce que c'est à travers piler ou piler feuille? Est-ce que c'est à travers bouillir ou bouillir feuille? Tout ça sont façons pour préparer feuille qui différent et gagne des monde des familles qui font combinaison de piler et bouillir. Enfin, mais ça va dépendre de famille avec qui ça qui est dans la tradition. Yo. Le feuille ça au fin préparé, la façon ça, il y a une série de rituels qui fait, qui composé de prières, de chants et de danse, parce que pas oublier que chants sont forme de prière yo, et danse surtout sont forme de prière que yo, parce que danse yo a des formes géométriques qui tracées, qui censées refléter une série de réalités spirituelles et leur réalité spirituelle ça reflète yo censé attirer propriété et le tout rituel ça au fin fait encore qui fait partie de préparation feuille yo c'est avec feuille ça yo kounia ou bien plante ça yo que on va préparer des bains et des huiles et gade monde qui fait bain yo en 24 décembre. Gen moun ki prepare lui pou fè des friksyon 24 décembre tout, gen ki fè tous les deux. Alors, ça me fait nous comprendre c'est que tout ça a fait par préparation. C'est pas en à l'acheter feuille et puis vini bouillir et puis bien avec lui. En pile moun fait ça. S'il marche, l'a marché à un minimum. Mais si vous passez le processus, ça me vient parler avec nous là. Le ça nous gagner
propriété yo k'ap réagir pour nous en maximum. Alors mes chers amis, moi souhaite que ti causerie ça te ba nous encore un petit aperçu de ça que nous capable faire pour nous préparer nous. Et encore, si nous t'as besoin plus information sur préparation ça yo, sur qui gens communauté ancestrale là apprendre adhérent lio, qui gens pour faire processus ça yo, moi invite nous pour nous contacter soit sœur Donna l'adresse électronique que nous avons devant nous là, ou bien moi-même l'adresse électronique pas maintenant comme ça avec question nous yo n'a fait tout possible nous pour nous répondre yo pour nous capable ba ou ça qui pi bon pour vous. Alors mes chers amis, en attendant que nous reposer une prochaine fois, m'a dit nous à la prochaine.